j'aime pas moi, pour un quel esprit. Ah putain, quand tu dégueules, puis après que t'as putain mon bon, que t'as plus rien à sortir, tu dégueules quand même, puis ça t'a mal. Hein. Ah ouais, ouais, pour ça je rebois moi. Ouais,
Ah oui, oui, c'est clair, oui. Depuis tout à l'heure, les motions de 13 EZM que j'entends aussi de la part de Nadi 33 en mobile sur la rocade de Libourne. Et bonne fin de journée! Monde derrière, mais c'est beaucoup trop loin. Oui. Station fréquence qui va prendre le pont d'Aquitaine, et bien ça roule pas trop mal, c'est assez cuiréux dans l'ensemble. Et bonne chance 1351 à vous tous, c'est 88 aux YL que j'ai entendu derrière de la part de Dandy 33 et bonne fin de journée. Merci la station, bonne fin de journée à toi, les bonnes 73. Attends, c'est celui qui plante les pommes de terre, ouais, c'est ces gens-là. Bon, avant qu'elles soient germées, ça va pousser des fumées, ça sera mort, ça fait des fumées. Non, fermé. Eh ben oui, bon, ben ça va se faire, eh ben cette année, il faut dire qu'on n'a pas eu tellement bon temps là, à part avec un peu de faustique et bonne journée, un petit peu trop, je trouve, parce qu'il risque la catastrophe après. Oui, c'est sûr, même les arbres fruitiers, je sais pas, vu les temps bizarres qu'on a eu, je sais pas s'il y aura vraiment. Même les fruits, je connais ça pas. Les fruits qu'on a ramassés dans les jardins ou dans les jardins, ça avait un autre goût. D'abord, c'était les fruits, c'était pas des trucs à grains là-dedans, c'est pour ça que je dirais. Qu'ils ont arrêté de peu produire avec un très bon goût, alors que maintenant, c'est la grande cavalerie de produire et c'est un goût en tempo. Eh bien oui, mais Père Michel, moi là-bas sur le Portugal, je m'en suis foutu la pleine gueule, disons,
Il y avait des fraises à pagaille de qualité, puisque là-bas, ils sont plutôt bio, hein. Mais j'en ai mangé presque tous les jours, j'ai mangé des fraises, si je peux te dire. Qu'elles étaient bonnes, voilà, maintenant, mais ça fait bientôt, disons, 3 ans, et je ne me suis pas trouvé au Portugal pour les cerises. C'est dommage, parce qu'une année, je me suis trouvé, et bien, je peux dire que je me suis tapé des cerises tous les jours. Et voilà, j'en ai bien profité cette année-là, parce que l'année dernière, il n'y en a pas eu beaucoup. Voilà, sur le Portugal, il n'y en a pas eu beaucoup. Voilà ce que je peux te dire, Pierre-Michel. Non, ici c'est pareil, il y en a eu deux requêtes estriées, hein. Il y en a eu quelques-unes, je précise l'an dernier, mais elles pourrissaient, tu vois, elles pourrissaient avant les deux, aussi. Pas beaucoup de propagation aujourd'hui. Bon. Les gens se suivent, se ressemblent pas. Comenzando la estación más fría, más frío ahí cercana del invierno. Ok, mi amigo, gracias, Ramón. Avec l'écho de tout de ce que l'on a à l'ancienne, et puis voir ce que maintenant, et puis que tu prennes n'importe quoi, c'est dégueulasse. Il faut être de toutes sortes de saloperies, sauf de voir. Ah oui, affirmative, je te confirme, c'est que quand je suis là-bas, moi, quand je vais avec une automate, je prends une automate, d'aller à tout pays. À côté de la maison, et puis si j'en prends pas le matin, j'en ai bouffé. Et quand je vais là-bas, c'est là les pommes de terre, parce que c'est pas les pommes de terre. Un momento, la señal que no te copié, porque entraron un par de estaciones en Italia, no sé lo que me reportaste de señal y audio, porque estoy probando acá un micro y es importante. Bueno, nada, perfecto. No tengo el placer de conocer a Jorge, seguramente, bueno, aquí en el norte no está, si no está en el sur estará por ahí en Santa Cruz, si es que está aquí en Tenerife, y en el caso de que estuviera en otra isla, pues menos que menos, es zona de silencio para esta banda, todas las estaciones. Bueno, de acuerdo, pues está preparado para la semana 10, 2:20, buenas tardes nuevamente. Y aquí andamos, pegando gritos y saludando a los amigos. Adelante, con el permiso de Rafa Roger. Ça tenait le coup. Tout à fait. On mettait dans le puits ou un puits qui avait un quai ou une cave un peu fraîche, qui avait été tiré en appétant un gamin. C'était un peu de petits grillages pour pas qu'il mouche là-dedans. Et puis tu gardais, voilà, les frigos, c'est venu bon après, il y avait un tas de.
Mais, il y avait quand même, aussitôt après la guerre, ça se rendit en Amérique, tout ça, le cuisinier, tout ça, les congélateurs. Et on conservait, quoi, j'avais des vues à côté, là, ils avaient une cave qui était sous la maison, la porte était pleine, et dessous, ils foutaient les machines dans le cavillage, dans le panier, et puis ils conservaient pendant 8 jours. Eh bien oui, tu vois là-bas aussi, je me rappelle, toi, ce projet, je vois comme ça, hein. Tu vois encore les vues, pour encore la soupe de la cheminée avec la vieille marmite, voilà, la vieille marmite enfoncée, et puis ils peuvent venir, les jeunes, sans une autre boue qu'à ces cuillères dedans.